Ben moi, j'habite à Bourganeuf et je travaille aussi à Notre-Dame-du-Moulin. Ah, depuis l'origine, moi. C'est la trésorière. Je m'appelle bien avec Cathy. Elle. Tout le monde m'appelle Cathy. Elle tient les cordons de la bourse. Bonsoir à tous. L'image n'est pas très bonne hein, parce qu'on roule de nuit là. Bon, mais on voulait juste vous faire un petit compte-rendu de cette deuxième virée. Virée du camping-car dans le cadre de la visite de nos oasis. Voilà, la semaine dernière, c'était l'oasis de Saint-Dizier-les-Rennes. Et aujourd'hui, c'était l'oasis de Saint-Georges-la-Pouge. Alors, très bien organisé par Thérèse, qui est un peu le pilier de cette communauté de Saint-Georges-la-Pouge. Et donc là, aujourd'hui, à la messe, on était 13. J'espère que personne n'est superstitieux avec cette affaire-là. On était 13, en comptant le prêtre. Bon, ça va. Pour la messe. Parce que voilà, le programme maintenant de la visite des oasis, c'est on arrive, on se donne rendez-vous à 15h devant l'église, adoration du Saint-Sacrement. Et comme là, on était trop nombreux, ce qui est quand même une évolution assez extraordinaire, du coup, l'adoration n'a pas eu lieu dans le camping-cœur, mais dans l'église de Saint-Georges-la-Pouge. En plus, il faisait un temps très estival aujourd'hui sur la Creuse, avec un beau soleil. Puis après, on est parti visiter. Alors, comme on était nombreux, on a fait trois groupes. Donc, il y a eu deux équipes de visite à domicile et puis une équipe qui est restée en prière devant le Saint-Sacrement pour présenter tout ça au Seigneur. Voilà, donc on a eu pas mal de visites pour le coup avec les deux groupes. Visites très sympathiques, des gens qu'on connaissait ou des gens qu'on connaissait pas. Toujours, il y a une espèce de mixage comme ça. À 18h, on a célébré la messe dans l'église parce que là, encore une fois, à 13, on rentrait plus dans le camping-cœur. Et puis, on a terminé avec le repas qui est maintenant traditionnel dans la visite des... Dans la visite des oasis, on a cette fois-ci un repas magnifique préparé par Christelle et Gilles et leur fille qui nous ont accueillis chez eux. Voilà, je ne veux pas vous donner l'adresse parce qu'il ne faudrait quand même pas que tout le monde se rue après chez Christelle et Gilles pour manger tellement ils cuisinent bien. Ils ont vraiment le sens de l'accueil. C'était vraiment très très sympa. Voilà, de ce retour à Bourganeuf, dans le camping-cœur, et bien, il y a toujours le fidèle Christian. Cathy et Véronique, ma sœur, et puis votre serviteur qui conduit le camping-cœur, et voilà. Et bien, suite au prochain numéro, la prochaine visite, ça doit être à Royères de Vassivière. Vous suivez les informations sur le site de la paroisse, si vous êtes intéressé. Vous savez que vous pouvez toujours rejoindre. Le rendez-vous est toujours à 15h devant l'église pour une demi-heure d'adoration. Et après, on se répartit. Voilà, je suis sûr qu'on sera à chaque fois plus nombreux comme ça et pour aller être l'église au milieu du monde. Voilà, soyez bénis tous et à bientôt!